Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Non bon les gars, j'ai sourire, mais bon les gars, j'ai capoté les gars, j'ai capoté. Tu sais parfois, tu veux faire bien les choses. Sachez les gars que toujours, en tout cas, mon intention c'est toujours de d'être vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais parfois, tu peux faire des erreurs et il faut savoir accepter ces erreurs et se remettre en question. Et voilà. Et au lieu de rien dire chut, comme ça discrètement, voilà, les gars, je dois me repentir, je dois vous demander pardon. J'ai dit des choses, je me suis trompé. Voilà, j'ai regardé une vidéo là et j'ai vu que je m'étais complètement déchiré. Je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute. What would you want his income to be if you're going to be a stay-at-home mom? Like 300,000? Like, I guess if they made less than that, I feel like we wouldn't have the lifestyle I wanted, so I would work. Right. Anywhere from 70 to 100K? I would have to say 127. $500,000? Probably 150 to a quarter of a million a year. 150, maybe to 250,000 a year would be comfortable for sure. The more the merrier, but. 650,000. Get that French toast out of here. What do you think is the median income for age 31? As of right now, I think it's probably like between mid-50s, maybe 60. It's $45,000. Oh, Only 23.4% of the male workforce made $100,000. And that's factoring in all ages. Not just, you know, guys under 32 or whatever it is, you assume most of them are a little bit older. How much money do you think a guy should make per year? If I'm like dating them, it'd be nice if they were at least making 100,000. What? Like a million, 2 million? 300K. Three figures. Okay, so why is that? Just 'cause like that's a stable income, I'd say. Mills. Millions. Mills, shit. Okay. Donc voilà les gars, je me suis complètement trompé quand je t'avais dit que les femmes recherchaient les 20%, 20, 10%. Je me suis complètement raté. Hein. On est plus sur du 5% là. Même beaucoup plus là, j'ai envie de te dire, on est sur du 5, 1, 2, 3, 1, 0,5%. Là, on sait plus. Là, les gars, tu vois, mais c'est difficile de se mettre à jour parce que ça bouge tout le temps, les gars. Tu vois, c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle. Tu dis un truc la semaine dernière. Boum, ça déjà, il y a déjà une nouvelle mise à jour. Donc les gars, je suis désolé. Voilà, donc c'est vrai que je t'avais dit 20% normalement t'es bon. Ben là, apparemment non. Tu vois tous les petits micro-trottoirs comme ça, c'est bien. C'est bien, ça te remet un petit peu dans l'ambiance si jamais t'étais perdu. Parce que je sais, Gérard, des fois t'es là. Alors, mais si on peut être gentil seulement et c'est bon. Voilà. Bon. Et en plus, comme tu peux constater, bon, les filles elles sont mignonnes quand même. Il y a des filles qui sont mignonnes. Mais vu les exigences qu'elles ont dans ta tête, tu te dis, bon, ça doit être vraiment des bombasses de ouf. Tu vois, alors évidemment, faut pas faire les mecs genre rageux. Ah non, elles sont éclatées au sol. Arrêtez les gars, quand vous mettez des commentaires comme ça, les gars, je dis, arrêtez les gars. Si jamais tu pouvais gérer une d'entre elles, tu serais trop content. Si c'était ta meuf, oh là là là! C'est comme des gars. C'est comme les gars, ils ont des meufs. Ça va, tu vois, de toute façon, on n'est pas là pour juger les femmes des autres. De toute façon, on fait pas ça, nous, chez nous. Hein? Mais c'est comme des gars, ils ont des meufs, ça va. Et genre, il voit des meufs sur Instagram, du oh, elle est éclatée, elle. Mais t'es sérieux, toi? Arrêtez, arrêtez, les gars, avec vos trucs comme ça. Bref, en tout cas, tu vois, si les meufs, elles sont, ça va. Elles sont, quand même, elles sont mignonnes, mais c'est pas. Tu demandes des millions? Attends, quand même. Tu n'es pas un petit peu dans l'exagération? Même 300K, même 100K. 100K, t'es déjà dans les. Alors, aux États-Unis, je crois que c'est 20%, on l'a dit dans la vidéo, il me semble. Tout sachant que c'est tout âge confondu. Hein, donc voilà, je suis désolé les gars, je me repens. Voilà, je me suis trompé, écoute, des fois on se trompe. En tout cas, en regardant cette vidéo, ça m'a permis de confirmer ma théorie hein, sur pourquoi les femmes, ça a été prouvé, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'oublie c'est combien, mais je pense qu'il y a énormément de femmes qui vont être de plus en plus célibataires, et pourquoi il y aura de plus en plus de femmes célibataires, et pourquoi il y aura de plus en plus de mères célibataires aussi, ça confirme ma théorie. Voilà, ça confirme que en fait, c'est tout simplement parce que durant tout leur pic, c'est-à-dire, si tu viens d'arriver, Gérard, c'est-à-dire que le pic de la femme est à 23 ans, le pic de l'homme est à 35 ans, voilà. Donc le pic de la femme est dans la vingtaine. C'est un secret pour personne, je pense. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une stat. Tu sais, bientôt, il va falloir une stat pour savoir si on doit pisser ou pas. Voilà, bon, en tout cas, voilà, on a une stat. 23 ans, c'est le pic de la femme. Voilà.
sans grande surprise. Hein. Je pense que personne n'est surpris. Est-ce que quelqu'un, non? Peut-être qu'il y en a qui pensent que le pic de la femme, c'est à 40 ans. Quelqu'un, non? Personne? Toi, Gérard? Ben voilà, ben on sait maintenant pourquoi. Hein. On comprend maintenant. Bref, c'est tout simplement parce qu'elle cherche un truc qui n'existe pas. Enfin, c'est pas qu'il n'existe pas, mais qui n'est d'une part sûrement peut-être pas à leur portée, ou deuxièmement, si c'est à leur portée, c'est que la concurrence est rude. Bah non, attends, mais toutes les femmes veulent le même homme. Alors si tu cherches les 5%, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Hein, ça va être compliqué. 5, en dessous des 5%, 5, voilà, bah 5%, 5%, c'est pas beaucoup. Hein, ça fait 5 hommes sur 100. Et dans les 5%, on n'a pas compté, voilà, si tu veux pas un gars de 60 ans ou si tu préfères un gars... On ne sait pas. Alors, on ne parle même pas si jamais ça cherche en dessous des 30 ans. Bon, en général, ça ne leur pose pas de problème. Expérience personnelle, ça ne pose pas de problème. Hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les hommes vieillissent comme du bon vin. Hein, on ne va pas en reparler ici. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'elles se retrouvent en galère, les meufs. Parce qu'elles se disent, ouais, de toute façon, moi, je veux un gars comme ça. Et j'ai mes standards. J'ai le droit d'avoir mes standards. Et je ne descendrai pas en dessous tant que je n'ai pas trouvé ce gars-là. Parce que vu qu'elles ont des fois, elles rentrent en intimité avec ce genre de gars, elles se disent, normalement, je vais devoir réussir à en gérer un. Plus tu mélanges à ça que dans tout ça, il y a sûrement des femmes modernes qui se disent, moi, j'ai rien besoin de faire, j'ai pas besoin d'être féminine, j'ai pas besoin de ceci, je pas cela, et qui sont perdues dans les trucs, à faire que des trucs que les hommes s'en battent les reins. C'est genre, par exemple, ouais, il faut que je fasse grave de l'oseille, je suis masculine, enfin, que des trucs. En fait, elles se posent jamais la question, qu'est-ce que le gars recherche? Le gars que je veux, qu'est-ce qu'il recherche chez une femme? Elles se posent pas cette question-là. Mais par contre, elles ont des standards, elles cherchent l'erreur. Parce que même au final, si jamais elle est fraîche, super, tout ce que tu veux, féminine, etc. Bon, j'avoue quand même que là, elle a quand même un gros avantage. Mais je ne pense pas qu'une femme, genre, qui soit fraîche, qui est bien foutue et qui est féminine, reste longtemps sous le marché du célibat. Là, pour le coup, elle peut se permettre de dire « Ouais, je veux un gars qui a des millions. » Faut être vrai, faut être honnête, les gars. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, ce qui confirme cela qui fait que de plus en plus, elles vont rester en galère. Puis après, elles font des enfants avec eux. Ah, c'est pour ça qu'elles deviennent mères célibataires. Elles font des enfants. Ah, voilà, mais pourquoi il ne veut pas s'engager? Mais je fais quand même un enfant. Pourquoi tu fais un enfant avec lui? Si jamais tu t'es... Il a montré aucun engagement envers toi. Bref, alors n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, même si j'aime si t'aimes la vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que l'idée de la chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être déter et passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est Zion où je te montre vraiment, bah, là c'est un groupe privé, je te montre que toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, il y a de l'immobilier, comment investir l'immobilier, les startups, la crypto-monnaie, il y a une formation aussi sur comment trader des crypto-monnaies, enfin il y a énormément de choses, je te laisse checker ça dans la page devant, tout est expliqué. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, j'avais ton camp.